vais sortir, elle s'appelle Mon Garçon. Ah bah tiens, les grands dureurs, c'est le dimanche maintenant. J'ai le troisième rôle, donc là j'ai pratiquement envie de faire mes adieux au cinéma après ça, parce que je pense que je ferai pas bien mieux. Bien sûr, il y avait Drucker. Ça me plairait d'avoir une carrière plus cinématographique. Mais moi, non, mais moi, j'en fais une petite phase, c'est que... Moi, je tenterais, betterave, maïs, carotte. On fait un métier... Ça manque d'œuf dur. Plus beau dans une salle. Un film, c'est une autre énergie, si ça se représente avec plaisir. Mais mon métier... Je suis la mampelle qui secoue, c'est chaud. Parce que c'est à moi que le public vienne plus. D'où le rendez-vous. Bon, ils ont basculé ça aussi. Alors, 9, 10, 11 novembre, c'est une salle que j'ai jamais faite. Drucker a fait du théâtre maintenant. Que je préfère à l'Olympia. J'ai fait un Olympia, mais je dois être un des seuls à pas avoir pris un pied terrible sur cette chouette. Prenez-moi pour un con. C'est une salle. Et pourquoi ? Tu l'as pas ressenti. Non, parce que l'Olympia, c'est une salle. La cabale au fond du jardin. J'y vais quand j'en ai besoin. Non ? Alors que voilà, donc moi je suis 19 de fils de pute là, tous là. Attention, c'est dimanche. Sam, dimanche. Non, mais pour le pognon, mais vous n'avez pas d'esprit. J'ai lancé ma première semaine de Reprogramme l'Esprit. Vraiment, déjà en 2016, je voulais reprendre le diocèse. Nice République, Nice Comté, ouais. La tombe de Hollande, c'est bon, il y en a plein les couilles. Macron en boîte, c'est pareil. Il arrive un moment, il faut le dire. Quoi. C'est pas ça la vie sur Terre. Vous faites que de la merde. Et vous bougiez tout. Heureusement, demain on s'accorde. Mais en partant de l'hôpital, j'ai croisé ma femme qui avait rendez-vous avec un chirurgien esthétique. Alors j'ai dit au chirurgien esthétique, avant de faire quoi que ce soit sur ma femme, on va faire une réunion de chantier. On va faire une réunion de chantier. Bon, déjà, on va pas toucher aux deux poteaux, c'est porteur. Attends. Comme c'est une construction avant 1970, faut faire les diagnostics pour voir s'il n'y a pas du plomb ou des termites. Vous me voyez encore, ouais. Bon, a priori, du plomb, là, il n'y en a pas. Par contre, il y a une belle hauteur sous plafond. À mon avis, on peut aménager les combles. Afin d'éviter de bruit, on va commencer par isoler ici. Bon, évidemment, là, on va agrandir, vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui serait génial, si à la place, hein, ce serait d'en faire deux autres juste en dessous. C'est au cas où il y a un ami qui vient dormir. Là, je vais ralentir, je vois qu'il y a des hommes qui prennent des notes. C'est bon, les gars, c'est bon, oui. Alors là, vous pouvez prendre des photos. C'est le seul endroit en Europe où la graisse se porte bien. Ça va, il est pas trop con. Mais on peut gagner la surface, hein, mais avant d'abattre la cloison, faut voir ce qu'il y a en dessous, mais apparemment j'ai fait un forage, c'est bon, c'est du Nutella, d'accord? Là, on va faire la chambre d'enfant qui donne sur la salle de jeu, qui donne sur le jardin! Ou alors, deuxième solution, on ne garde que le rez-de-chaussée, on ne garde que le rez-de-chaussée, et on enlève le premier étage, comme ceci, et bien évidemment, attends, et bien évidemment, on ferme comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, je comprends pourquoi on l'appelle la Molaire. Paris Match et IBAC Télévision vous propose Pub de merde. Caméra, le rendez-vous des personnalités qui font l'actualité. Entretien Philippe Legrand. Bonjour Patrick Sébastien. Bonjour. Oh. Vous allez bien, Patrick Sébastien? Des diables en direct. Tout, Patrick Sébastien, comme tu veux. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Ça dépend ce que j'ai fait le samedi. Non, le dimanche, je fais pas grand-chose en principe. Je dois me planter devant la télé. Je commence par faire des mots croisés pour me réactiver l'esprit. En principe, j'ai des spectacles la veille où je suis à des milliers de kilomètres, donc je fais les kilomètres dans la nuit, puisque je suis un oiseau de nuit qui ne se couche jamais depuis 40 ans, avant 4h30, 5h du matin, quoi qu'il en soit. Donc le dimanche, non, je regarde beaucoup de mes copains du rugby. Ça vous rappelle des souvenirs? Le rugby a quelque partie de ma fabrication, c'est le rugby. Ça m'a appris.